Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Saint-Jean Coloriage. Et voici la partie finale de ma collection, la partie 5. 6, excuse-moi. Et là-dedans, c'est tout, mais c'est le restant de mes couvertures, Marie et Trolley, puis Anna Carlson. Fait on y va. Ça, c'est Magical Dawn de Anna Carlson. Et là-dedans, j'ai quelques images de fête. J'ai la pomme que j'ai faite pour colorier ensemble, Magical Dawn, sur Instagram. Et celui-là aussi. C'est la première fois que j'ai fait des boules dans le fond. Je l'ai fait le 29 avril 2021, puis je suis vraiment fière de ma résultat. Ensuite, juste regarder vite fait. J'ai lui, que j'ai fait en trio avec Cirem 70 et José Colorier. Je vais mettre le lien à la chaîne de José Colorier en dessous. J'ai essayé de faire moins de lourdeur parce qu'ils sont couverts en plastique, puis je ne veux pas ôter les plastiques parce que moi, c'est pas fixé. Je peux pas mettre de fixatif à cause des problèmes respiratoires, fait que je vais mettre de plastique. Ça, c'était fait pour... je crois qu'il aurait colorié son challenge du mois, mais je suis pas sûre. Je suis vraiment désolée là-dessus. C'est mon ami José Colorier qui m'en a parlé, puis j'aimais l'idée de la palette. Ça, c'était fait pour colorier ensemble Magical Dawn. Ensuite, ça, c'était en cours d'affaires pour ça. Puis, j'ai perdu l'intérêt de le finir. Ça va arriver un jour. C'est en cours. Comme plein d'autres. J'en ai plus que je pensais, par contre, des en cours. Je ne m'attendais pas à avoir autant que ça. Et voilà. Ça aussi, c'était pour colorier ensemble Magical Dawn. Et j'ai fait le petit grenouille au début. Et c'est tout pour celui-là. On va aller à la prochaine. Qui est Jewelry Box de Hanna Carlson. Moi, mes versions, c'est toutes des Gibbsmith. Juste que tu saches. En cas, ça, tu poses la question, c'est quelle que j'avais. Ici, j'ai fait celui-là. J'aime beaucoup le résultat les couleurs pastel là-dessus. J'ai fait lui en duo avec Cirem 70. Ensuite, c'est d'autres choses, on va aller voir ça. Oui, il y a quelque chose. J'ai fait lui. Les reflets, excuse-moi, je vais essayer de... Ah, c'est mieux comme ça. J'ai fait lui. Tu as pu voir que j'avais encore misère avec les tempes. Mais là, c'est réglé, ça n'arrive plus, ça. Fait que ça, c'est tout pour lui. On va aller à la prochaine. Qui est Daydreams de Hanna Carlson. On va regarder ça. Ça, j'ai fait en trio avec Cirem 70 et José Colorier. Puis je sais que j'ai fait ça avec crayon aquarellable. Ensuite, il y a beaucoup d'images que je veux faire. J'ai fait celui-là. Ça aussi, je crois que c'était un trio en Cirem 70 et José Colorier et moi. Je suis pas sûre, mais je pense que oui. C'était soit un trio ou un duo. Ça, je suis sûre. Ça aussi, c'est un duo qui éventuellement va être posté, mais pour le moment, il reste là, parce que moi et José Colorier, on a une liste de duos qu'on veut faire ensemble. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de temps, on n'est pas pressé. Faut qu'on les fait comme qu'on veut, puis quand l'autre a une chance de le finir, mais là, on les poste. Fait désolé, José Colorier, je l'ai montré avant. Mais ça ne presse pas. Ensuite, j'ai fait celui-là.
Hein? Ah, vas-tu? Je fais celui-là. J'aime beaucoup ma ciel. Je suis vraiment fière de la ciel que j'avais faite. Ensuite, j'ai mon lapin. Ça, c'est un trio avec José Colorier puis CRM 70. J'ai essayé de faire un lapin de Pâques en chocolat, mais c'est pas très, très bien réussi. Ensuite, j'ai un encours que j'ai commencé, c'est lui ça. J'ai comme commencé, puis j'ai changé d'idée. Mais un jour, je vais les finir, parce que je veux compléter tous les livres d'Anna Carlson. Ensuite, j'ai mon... C'est Tales from the Forest Kingdom. Je sais pas comment la prononcer dans ce langage-là. C'est la version suédoise, quoi. C'est Anna Carlson, mais je sais pas si c'est quelle compagnie d'impression. On va essayer de voir si je peux voir en arrière. Non. Fait que je sais pas si... Es-tu écrit ça? Toucan Forlag. Apparemment. Puis, j'ai fait les petits champignons. Pour voir comment le papier y allait. Ce livre-là, c'est mon préféré. J'ai l'autre, Tales from the Witch's Cottage, qui arrive, mais c'est lui qui est mon préféré. Puis je veux tout faire les images. Mais je prends mon temps parce que j'ai peur de ne pas réussir mon image. Puis de faire ça, je serais vraiment triste parce que je l'adore, le livre. J'ai fait celui-là. Et c'est... J'ai fait celui-là. C'est tout. Ça va arriver que je vais revisiter, c'est garanti. Ensuite, j'ai... Ça fait pas longtemps que je l'ai eu. C'est Luna, de Mariette Rollet. J'ai rien fait encore, mais magnifique ce livre-là. J'adore les photos. J'ai pas commencé encore, mais mec, je commence. D'après moi, je vais faire plusieurs en ligne. Lui, je l'aime beaucoup. Et ça, c'est tout pour cela, vu que j'ai rien fait et je n'ai pas grand-chose à vous montrer. Twilight Garden. Mariette Rollet, toujours. J'ai quelques-uns dans celui-là. Chez lui. C'est un trio que j'ai fait avec CRM 70 et José Colorier. J'aime beaucoup le résultat. Ensuite, j'ai celle-là. C'est un autre trio de CRM 70 et José Colorier et moi. Ensuite, j'ai celui-là. Je crois que c'est un autre trio en nous trois, mais je suis vraiment pas sûre. Mais il me semble que c'est un trio avec CRM 70 puis José Colorier. Ça, c'était pour un challenge de l'Addix 66. C'était, il fallait faire des cercles comme. Puis je me suis amusée. C'était la première fois que j'ai fait un de ces challenges. Non, deuxième, parce que j'ai fait un challenge où il fallait colorier tout en bleu. Je vais mettre son lien dans le bord d'infos aussi. Ça, c'était un trio entre, avec CRM 70 puis José Colorier. Puis, c'est réglé mon problème des tempes. Ici, un trio encore, CRM 70 et José Colorier. Et ça, c'est un que j'ai fait. J'ai raté le fond. Ça m'a tellement rendu triste parce que je trouve tellement belle comme image. Mais on peut avoir des ratés des fois. Puis il faut les garder quand même parce que ça nous montre notre progrès. Et ça, c'est tout pour lui. Ensuite, mon premier livre de Mariette Rollet qui est effleurant. Je connaissais pas cet artiste-là. Puis honnêtement, si ça n'aurait pas été pour mes amis, CRM 70 et José Colorier qui m'ont montré la Twilight. Je pense que j'aurais jamais racheté un autre livre d'elle. J'ai vraiment pas aimé ce livre-là. Tu vas voir, j'ai testé des fonds, des affaires. J'ai quelques images quand même coloriées, mais je teste des fonds. Comme celle-là, était faite pour le challenge de Néon. Mais je ne me souviens pas de pour qui. On va aller
Non, c'est pas écrit dessus. Allez voir le reste. C'est des belles images. À cette heure, mais c'est pas mon préféré, c'est loin d'être. Il y a quelques images que je vais peut-être faire parce que je les aime, mais je sais pas. Il y a de quoi que j'aime pas trop avec. Ça, je sais pas si c'était un duo avec moi puis CRM 70. Je crois que c'était un duo, oui. De nous deux, moi puis CRM 70. C'est la première image que j'ai coloriée dans ce livre-là. Ça, c'était un test de fond. J'ai tué d'autres choses, on va aller voir. Ah, j'ai fait la première page. Il va-t-il focuser? On va le cacher. Oh, ouais. Hein? J'ai fait la mini au début. Et c'est tout pour celle-là. On va faire le Nightfall en dernier parce que ça va être la plus longue. Voici le Botanicum. On va arranger ça. Le Botanicum, j'ai eu d'un cadeau de mon ami, comme cadeau de mon ami Lisa Gray. Merci, mon ami. J'apprécie beaucoup. Et là-dedans, j'ai une ou deux de fête encore. J'ai beaucoup à faire encore, mais celle-là, c'est un récent que j'ai fait le mois passé. En crayon aquarellable, puis je l'adore. C'est un médium que j'aime beaucoup. Puis je vais expérimenter beaucoup. Ça ici, c'était un duo avec Lisa Gray. Et ensuite, ça aussi, c'était un duo avec Lisa Gray. Et je crois. Oui, ça c'est tout pour celui-là. Et celui que j'ai le plus de fait, c'est Nightfall. Parce que j'ai assez d'avancée pour faire le fil rouge de Quit Quit 66, je pense. Je suis pas sûr. C'est Quit Quit. En tout cas, elle a une chaîne YouTube. Je vais essayer de souvenir de mettre ce lien dans la description en bas. J'ai fait ces deux-là. Je m'en montrerai une fois. C'était en duo avec José Colorier. Et j'ai décidé de faire l'autre. Ça, c'était le duo. Ça, c'était de. J'ai décidé de faire une double page. Je trouvais que ça marcherait bien comme ça. On va essayer de juste tourner un petit peu. Après ça, j'ai celui-là. Ça, c'était pour le fil rouge. Et celui-là aussi. Ensuite, celui-là. Et celui-là. Après ça, ça va. Voilà. Celui-là, il saute. Une petite pêche. Il est super beau. J'aime beaucoup mes papillons. Il brille. Et j'ai fait celui-là. Je suis très fière de cette image-là. Je l'aime beaucoup. J'ai celui-là. Et celui-là. J'aime pas trop mes oiseaux dans celui qu'on vient de regarder. Celle-là, je suis très fière. J'aime beaucoup le résultat. Je vais essayer de faire ça encore avec des fleurs, mais dans d'autres teintes. Ensuite, j'ai. Ouais, celle-là, on va commencer au début parce que ça suit. Fait que j'ai celui-là. Suivi de la maison. Des fleurs. Les pommiers avec les deux petites filles. Ensuite, j'ai la fille qui est sept. Beaucoup de reflets. Le nid d'oiseau.
les fleurs. Et encore des fleurs. Il y a beaucoup de fleurs dans ces livres, puis je pense que je suis comme saturée. C'est pour ça que j'en ai pas fait ce mois-ci. Mais c'est un très joli livre. Très belle. C'est de mettre que. C'est une image que j'aime beaucoup, celle-là. Celle-là, j'ai essayé des peintures aquarelles. Arbre. Des artichauts. Je les aime bien, mais ça laisse des traces. Fait que j'apprends à m'en servir mieux. Et celui-là. Celle-là, je voulais essayer un fond qui contourne l'image en place d'un fond complet, mais je sais pas. Peut-être j'aurais dû faire un fond complet. Et ça, c'est encore. C'est là que j'ai perdu mon haleine pour continuer. Je vais juste être sûr que je vous ai tout montré. Ah, oh, non, il en manque une, je pense. Oui. C'est ça. Il y a ce duo-là que j'ai fait. Cette image-là, j'ai fait en duo avec José Colorier. Et ça, c'est tout. Ça, c'est ma collection complète, à l'exception de mes PDF. Fait que si jamais tu veux voir les PDF, juste à me commenter en dessous, ou peut-être je le ferai plus tard aussi de montrer mes PDF, ou au moins des images que j'ai coloriées de mes PDF. Fait que, oublie pas, si y a un livre que tu veux voir une présentation, gênez-vous pas de l'écrire dans les commentaires en dessous, ça me ferait plaisir de le faire pour toi. Merci de l'avoir regardé. À la prochaine vidéo. Bye!